Et puis, le quartier Jolicite, dont la commune annexe de Lubumbashi, sera doté d'un marché moderne d'ici 6 mois. Les travaux de construction ont été lancés ce jeudi par le bourgmestre Rémi Moussensé. C'est l'entreprise GSPT SRL qui va exécuter les travaux financés par la commune annexe. Regardez. La pose de la première pierre par Rémi Moussensé, bourgmestre de la commune annexe, a marqué le lancement officiel des travaux de construction des marchés modernes dénommés Denis Tshisekedi. Les demandes de la population étaient qu'on puisse avoir quelques infrastructures de base, par exemple le marché. Alors c'est ainsi que nous avons d'abord pensé à donner à la population le marché. Ce sera un marché moderne qui répond au nom de Maman Denise Tshisekedi. L'argent de la redevance, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la population. Il faudra que le peuple se retrouve. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et là, vraiment merci au chef de l'État, lui qui est le partisan de la paix, sans laquelle on ne serait pas ici. Et nous remercions aussi son Excellence Jean Kaboula pour le coaching, parce que chaque fois il nous bouscule là. Il est maître, nous sommes ses élèves, nous sommes derrière lui, nous suivons ses pas. Ce marché sera construit sur la route Kasinga au quartier Jolicite dans la commune annexe. Sa capacité d'accueil est de 600 places, explique le responsable de l'entreprise GSTP-SRL qui exécute ses travaux. C'est cette entreprise œuvra au Congo et utilisant la main d'œuvre locale, comme dans la politique du chef de l'État. Donc nous sommes en hâte de faire ce travail dans un bref délai, au maximum 90 jours ouvrables. Et là c'est plus sûr, nous avons déjà tout étudié techniquement. C'est un marché qui va comprendre plus de 150 boutiques, avec deux hangars, deux grands hangars, d'une capacité de 600 places. Ces travaux financés par la commune annexe grâce à la redevance minière sont à la satisfaction des habitants du quartier Jolicite.